Waouh! Bonjour les frères et sœurs, comment allez-vous? Ce que nous allons voir dans cette vidéo, franchement, ça m'a étonné, ça m'a tellement dépassé, ça a failli même faire rire, mais j'ai gardé mon calme, parce que, waouh, c'est extraordinaire! Bon, suivez-nous. Ce que nous allons voir, franchement, si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Ça m'étonne. Comment se fait-il qu'un gars arrive-t-il à faire des trucs pareils? Impossible. Vous savez, chez nous, rien n'était possible à Dieu. Même regardez même ça. Regardez même ici. C'est incroyable. Cet homme que vous voyez à l'écran a un super pouvoir. Et ce super pouvoir, il le démontre comme il se doit. Maintenant, on se pose la question, ça va, mais que font les animaux qui sont juste là derrière de lui? Que font-ils ici? Regardez très bien. Ils sont juste en train de suivre leur berger. Vous savez, nous devons suivre le Seigneur Jésus-Christ parce que c'est lui le bon berger. Mais lui, cet homme derrière, cet homme-là, il conduit son peuple. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Maintenant, vous allez être prêts. Si ça n'avait pas été filmé, vous penserez que c'est de la blague. Ce que nous allons même voir, c'est à partager. Regardez maintenant ça. Comme vous le voyez, ce n'est pas de la blague. Ce ne sont pas des histoires. Cet homme est ici. Et il est suivi par des animaux de tout genre. Et regardez ce qu'il fait. Waouh! Comme s'il s'agissait d'un militaire. Waouh, regardez. Si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Et les animaux le suivent quand ils s'arrêtent. Les animaux s'arrêtent aussi. Regardez même bien ça. Waouh, les animaux le suivent. Vous avez vu ça? Comme un vrai chef, quoi. Le super pouvoir de ce gars-là est vraiment incroyable. Vous voyez, si cette personne représentait, par exemple, Jésus-Christ, c'est-à-dire que nous tous, nous devons suivre Jésus tranquillement, sans même poser des questions. Regardez même comment ces animaux-là sont en train de faire. Aujourd'hui, les gens oublient Dieu, ils oublient Dieu. Mais les animaux qui sont là, eux, ils suivent juste leur maître. Ils suivent juste le patron. Et quand ils suivent le patron, là où le patron va, eux aussi, ils y vont. Et ça même, c'est même incroyable. Aujourd'hui, mais les gens ne sont pas même prêts à suivre même Dieu. Ils ne sont même pas prêts même à suivre même Dieu. Ils sont même en train de faire tout et n'importe quoi. Oh, les animaux, ils savent carrément qui est le maître. Même de la parole de Dieu, on en parle. On en parle. Dans Esaïe chapitre 1, déjà, on nous parle de ça. Les gens ont oublié Dieu, ne savent plus qui est le créateur. En principe, tout le monde devait adorer Dieu. Mais aujourd'hui, il y a plusieurs maîtres. Il y a plusieurs maîtres. C'est le diable qui est devenu le maître de certaines personnes. Parce qu'il leur donne l'argent. Oh, Dieu peut nous donner bien plus que ça. Mais il le fait à sa manière, à sa façon, et c'est ce qui est bon. Les gens veulent être prêts, ils veulent être rapides. Mais suivons le bon berger, c'est très important. Incroyable, mais vrai. Si ça n'avait pas été filmé, personne ne l'aurait cru. Ce gars, il a vraiment un super pouvoir. Regardez même comme il a été de marcher. Il est fier de faire son boulot. Vous devez partager cette vidéo, vous abonner. Et ne pas manquer la prochaine vidéo. Waouh! Incroyable, vrai. Ouais. Maintenant, mes frères et sœurs, dites-moi maintenant, qu'est-ce qui peut expliquer cette affaire? Comment les animaux là arrivent-ils à faire tout pareil? Comment? Vous êtes intelligent, non? Il y avait des gens qui sont des scientifiques ici. J'entends, toi, tu es trop intelligent! Bon, dis-moi. Comment expliques-tu cette affaire, ce phénomène? Comment, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a éduqué ces animaux-là de sorte qu'ils se comportent de la sorte? En fait, parmi les animaux-là même, là, il y a un leader.
Et ce leader-là est devant, regardez même ici. C'est ce leader-là qui est là. Donc, tous les animaux qui sont derrière là, quand ils voient aussi que les patrons chez les animaux s'arrêtent, eux aussi ils s'arrêtent en voyant leur leader qui est là. Maintenant, leur leader suit le grand patron. C'est comme c'est un chef de service qui est ici, quoi. Et le grand patron est ici. Voilà. Et ça se passe ainsi. Ils se suivent en eux. C'est une communication à la chaîne, quoi. Waouh! Ça m'étonne. Bon, peut-être que vous avez votre explication. Dites-moi ce qui peut expliquer ce mystère. Mais si ça n'avait pas été filmé, vous ne l'aurez pas cru. Ok. C'est parti pour la prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné sur notre chaîne, cliquez sur ce ça pas d'accueil. Abonnez-vous sur notre autre chaîne. Et préparez-vous pour la prochaine vidéo. En attendant, regardez la petite que ça fait ici. Et soyez prêts. Let's go.